s'est tenu du 29 au 31 janvier à Abidjan. Le Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 a vu la participation de nombreuses entreprises ivoiriennes. Ces structures n'ont pas manqué de démontrer leur savoir-faire aux côtés des grandes firmes présentes à ce rendez-vous. L'État de Côte d'Ivoire veut améliorer le niveau de transformation de l'ANACAD. En 2013, le pays a produit environ 300 000 tonnes de ce produit avec un taux de transformation de seulement 5%. Un atelier s'est ouvert à ce sujet. Le procès du président destitué Mohamed Morsi a repris hier au Caire en Égypte. L'ancien dirigeant encourt la peine de mort comme 14 de ses co-accusés. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTI1. Nous débutons avec le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Plus de 1000 villas sont en cours de réhabilitation à Yamoussoukro. Le ministre en charge de la construction a lancé récemment l'opération de construction de ces logements. Léon Brou. Route de Didiévi, à l'est de Yamoussoukro, la capitale politique. Trois villas flambant neuves pour témoigner des 517 logements sociaux et économiques à réaliser sur ce site de 7 hectares. À 500 mètres, sur un terrain de 7 hectares également, une autre cité intégrée de 450 maisons en construction. On peut même apprécier la villa témoin, une trois pièces suisse adaptée aux conditions de vie nationales, selon le promoteur. Pareil sur le troisième site d'environ 8 hectares situé, lui, à l'ouest de Yamoussoukro. Sont visibles 3 sur les 476 logements sociaux et économiques de 2 à 4 pièces à bâtir. Ce début de programme d'habitat collectif, déjà la preuve pour les populations que le président Alassane Ouattara est digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Nous remercions l'État et particulièrement le président d'avoir voulu prendre l'initiative de continuer l'œuvre comme le président Houphouët lui-même l'avait dit. Je trace les sillons et vous allez continuer le développement. Et aujourd'hui, grâce au programme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous voyons que Yamoussoukro va bénéficier de son statut de capitale. Nous allons faire le travail de pédagogie avec M. le préfet de région, M. le maire, pour leur expliquer que c'est leur intérêt d'acquérir ces maisons-là. Sur les droits des propriétaires terriens, le ministre de la Construction est clair, l'État va procéder à leur purge. Nous avons une dotation globale de 35 milliards de notre budget pour 2014, donc 5 milliards qui vont être destinés à la purge à l'intérieur du pays, 15 milliards pour le CDMH, et 15 autres milliards pour réaliser les VRD. Évoquant les autres garanties pour sécuriser le programme des logements sociaux, Mamadou Sanogo rassure sur son aboutissement. État, banque et promoteurs immobiliers s'étant unis. La sous-préfecture d'Ebila-Sokro dans la région de l'Indénié du Ablin se démarque par une scène particulière. On y trouve des maisons abandonnées dans les broussailles jamais occupées. Qu'est-ce qui explique une telle situation? L'éclairage de Jeanne Atoubi. Dans le département d'Abengourou, c'était la localité sur laquelle on misait beaucoup en termes de progrès et de développement. Mais aujourd'hui, Ebila-Sokro semble bloqué dans son élan. Ce gros village, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture, avait suscité beaucoup d'espoir et était cité en modèle au regard de ses nombreux acquis au plan infrastructurel et économique. Les plus visibles de ces acquis, sa sous-préfecture, un imposant bâtiment offert à l'État par un fils de la région, mais aussi son habitat rural, un projet dont a bénéficié Ebila-Sokro au grand bonheur de ses populations. Quand on a fini, il y avait un problème d'eau et d'électricité, et puis il y avait un problème, dit-on, de génie, tout ça, vous savez, dans les villages, comme c'est proche du cimetière, donc les gens ont eu peur, et puis bon, ben, c'est resté dans la broussaille. Le projet de construction d'habitat rural à Ebila-Sokro a été exécuté en 1998 sous le président d'alors Henri Konan Bédier. 40 logements évolutifs de divers standings sont sortis de terre. À l'entrée de la ville venant d'Abengourou, des bâtisses sont visibles, rougies par la poussière et emprisonnées par les broussailles. Depuis que les clés des maisons ont été remises aux propriétaires, personne ni encore habité. Et avec le temps, tout commence à tomber en ruine. Actuellement, les vitres sont cassées, les portes même aussi sont gâtées.
Donc ils peuvent venir mettre l'entretien et puis mettre leurs neveux qui sont dedans pour nettoyer. Il y a des fonctionnaires même qui sont là. Lorsqu'ils vont mettre les entretiens, les fonctionnaires peuvent oublier. Les maisons du projet Habitat Rural à Ibila-Soukro, pour certains, sont un beau gâchis. Et on n'hésite pas à lier leur non-occupation à des considérations politiciennes. Vrai ou faux? Toujours est-il que la même réalité est observable à Zaranou, localité voisine. Triste sort pour des maisons. Et dire que l'on se bat à se saigner pour en obtenir à travers le programme de logements sociaux initié par le président Alassane Ouattara. Les habitants du quartier Plaque Anador d'Abobo sont mécontents en cause la présence de bacs à poubelles situés au cœur de ce quartier depuis bientôt 2 mois et qui polluent l'air, empêchant ainsi les populations de vivre aisément. Franck Ouadio. Nous sommes au quartier Plaque Anador d'Abobo. Ici, depuis quelques mois, les ordures se sont invitées dans le quotidien des populations. Mariam et Angeline, toutes deux habitent cette cité. Elles disent à ne pas comprendre la présence de ces bacs à poubelles en plein milieu du quartier. Franchement, qu'ils cherchent un autre dépotoir, qu'ils enlèvent les poubelles là. S'il y a un autre coin, qui vraiment qu'ils déposent ça là, parce que là, ça n'arrange pas le quartier. On n'arrive même pas à respirer. Et puis on a commencé à sentir des démangeaisons. Ça fait que le matin, même quand tu te réveilles, c'est l'odeur qui t'accueille. Là-bas. Des vendeuses de pain et d'articles divers, affectées elles aussi par l'installation de ces grosses poubelles à quelques mètres de leur commerce. Quand il pleut, l'odeur vraiment, c'est nauséabond. On ne peut même pas respirer. Ça fait que moi-même, j'ai perdu ma clientèle. Même ce matin, même j'ai un client même qui a eu à me dire que je ne mange pas, c'est pas parce que ce n'est pas propre, mais à cause de la poubelle. Moi, je ne veux pas venir m'arrêter à cause de la poubelle. Ce n'est pas normal pour même un poubelle dans un quartier. Quand il pleut là, ça gêne, il y a trop de mouches. Une situation qui, selon les habitants et les opérateurs économiques, est nuisible à leur santé. Un matin, on a trouvé que tu pouvais déposer là, donc la population souffre. Voilà, on n'arrive même pas à aspirer. Depuis l'arrivée de cette poubelle-là, il y a des enfants qui tombent malades, fièvre, typhoïde, tout ça. Il y a des diarrhées chroniques même. Des bacs à poubelles en plein centre d'une zone habitée, méconnaissance ou négligence, difficile d'y répondre, reste alors une chose, retenir son souffle et espérer une amélioration de la situation. Le forum Investir en Côte d'Ivoire pour l'année 2014 vient de refermer ses portes. Cette édition a enregistré la participation d'un grand nombre d'entreprises ivoiriennes. Et c'était l'occasion pour ces structures de se familiariser avec les grandes firmes qui prennent part à ce forum et de revendiquer leur place à l'échelle internationale. Mamadou Kouassi. Elles étaient nombreuses, les entreprises ivoiriennes, à participer au Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014. Plus de 50% des entreprises participantes sont issues du patronat ivoirien. À travers leur participation à cette rencontre, le secteur privé ivoirien veut présenter ses potentialités et aussi nouer des partenariats pour le renforcement de leurs activités. La Côte d'Ivoire non seulement offre un environnement favorable à l'investissement, mais surtout pour donner un signal à l'international pour dire qu'il existe des entrepreneurs ivoiriens crédibles, compétents, capables donc d'aller dans un partenariat avec donc des sociétés étrangères. Contribuer à faire connaître le potentiel d'investissement dans le domaine des technologies d'information et de communication au niveau de la Côte d'Ivoire, de montrer notre potentiel aux différents bailleurs de fonds et fournisseurs et investisseurs pour éventuellement bénéficier de leur financement dans le cadre de certains projets transversaux que nous avons au sein de l'administration. Ceux qui viennent et qui veulent investir dans l'agro-industrie, ils ont besoin de s'assurer qu'ils vont avoir des produits de qualité pour pouvoir alimenter les chaînes de production qu'ils vont mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est d'être aux côtés des paysans et même aux côtés aussi de ces industriels-là. Le secteur vivrier est moteur de développement. Il y a tous les produits, mais le vivrier, parce qu'il faut manger. C'est pourquoi nous, on demande aux bailleurs qui sont venus toutes les conventions qu'ils ont pu tenir avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, qu'ils placent leur confiance vraiment pour les accompagner. Une rencontre jugée satisfaisante pour l'ensemble des participants. On a des entreprises, des structures qui sont venues de l'étranger, de la Tunisie, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, qui sont passées ici, qui ont eu à discuter avec la direction générale sur peut-être les thèmes d'échange, les thèmes de partenariat futur.
Donc je crois que c'est une très bonne chose que nous soyons là. Écoutez, satisfait et peu dire, je suis extrêmement impressionné par la qualité des participants, une mobilisation mais extraordinaire, la qualité également des participants. Nos objectifs sont déjà atteints, non seulement du fait de notre participation, mais surtout de notre organisation. Nous confirmons que nous sommes un des plus grands exportateurs de produits manufacturés en Côte d'Ivoire, puisque nous exportons même jusqu'au Mozambique. On a eu des pistes de développement avec des opérateurs locaux qu'on juge importants à développer et à exploiter. Les 4 jours du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 ont été meublés de conférences, de rencontres B2B et de panels sur l'économie à travers l'accès au financement. Il faut rappeler que ce sont plus de 3 000 investisseurs de divers secteurs d'activité issus de 103 pays qui ont pris part à ce forum. L'État de Côte d'Ivoire vient de mettre en place un mécanisme de financement des petites et moyennes entreprises. Cette action du gouvernement ivoirien vise à aider les nombreuses compagnies engagées dans la sous-traitance des grandes firmes et qui rencontrent des soucis financiers. Suivez ce reportage. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 3000 PME, petites et moyennes entreprises, installées sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités ivoiriennes, le nombre va doubler, voire tripler dans quelques mois grâce à la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire avec les nombreuses opportunités d'affaires. Plusieurs PME vont par ailleurs servir de sous-traitants des grandes firmes. Pour relever ce défi, le gouvernement propose un nouveau mécanisme de financement des PME. Il y a les fonds de garantie, il y a les fonds de financement qui sont placés auprès des banques et il y a toute une infrastructure d'accompagnement de la PME, à la fois pour l'aider à se gérer, à la fois pour l'aider à tenir une comptabilité. Il y a le crédit bail qui se met également en place. Donc il y a tout un ensemble d'instruments qui sont nouveaux, qui commence à être de plus en plus présent dans notre pays et qui devrait s'intensifier. Des dispositions saluées par les participants. Tous sont unanimes sur la recherche de partenariats privés pour la réalisation des projets. Écoutez, c'est dans l'air du temps, effectivement. C'est dans l'air du temps. Le tout, c'est de trouver de bonnes personnes, de bons prestataires, car il faut savoir que certaines structures n'ont pas la capacité d'avoir en interne un expert qui puisse apporter ses compétences pour un domaine précis. C'est d'appeler mes collègues entrepreneurs à croire à ce qu'ils font et rechercher toujours des partenariats pour faire avancer leur structure. Parce qu'à travers ce que je viens d'apprendre là, on peut évoluer sans forcément le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun emploi ne peut être créé sans qu'on ne parle de sous-traitance. La sous-traitance est à la base même où suscite la création d'emplois. Donc si vous voulez, pour créer plus d'emplois, je pense qu'il faille renforcer la capacité technique ou la capacité financière des entreprises déjà existantes. Et lorsqu'elles sont bien assises, je pense que l'emploi se crée de facto. Mais elle se crée de facto également par l'accès à des marchés. Les experts en banque et en finance soutiennent qu'il faut alléger le cadre juridique et fiscal pour un meilleur accès au financement des PME. Des mesures qui pourront accroître le taux de création d'emplois afin de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 a permis au gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimombe, de rencontrer différents groupes avec lesquels il a eu des contacts au cours de ses différentes missions à l'extérieur. Ces rencontres vont consolider les acquis du gouverneur Mombe pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour le bien du district autonome d'Abidjan dans la création d'entreprises, source de création d'emplois pour les jeunes. Mamadou Kouassi. À peine fini que le Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 porte des fruits pour le district d'Abidjan. Plusieurs opérateurs économiques sont déjà sur le terrain pour signer les accords de développement avec le gouverneur Robert Begrimombe, qui a reçu une délégation de 40 hommes d'affaires issus de divers secteurs d'activité. De nombreux projets sont prévus
notamment l'installation d'une ferme laitière et une usine de production de pâtes de tomates dans la commune de Songon avant 2015. Objectif, accompagner le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, a réaffirmé son engagement à soutenir les investisseurs pour la réussite de leur mission. La fin donc du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 augure déjà de bonnes perspectives pour le district autonome d'Abidjan. Après le Forum Investir en Côte d'Ivoire, parlons d'une récompense. 6 promoteurs de langue nationale ont été distingués. C'était à la faveur de la 3e édition du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD. Herman Yami. Lorugno Drey, directrice d'une maison d'édition, remporte le premier prix du concours de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Sa contribution à la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire lui vaut cette distinction du jury présidé par le professeur Bakary Thio Touré. En plus de son trophée, elle part avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. La 3e édition du prix ASCAD a été placée sous le thème de la contribution à la promotion et à l'enseignement des langues nationales. Ainsi, le 2e prix est revenu au professeur Paul Aouli pour ses efforts de vulgarisation de la langue abourée. Pour avoir contribué aussi à l'enseignement des principes bibliques en langue locale, l'association chrétienne des témoins de Jéhovah a été désignée lauréate du 3e prix. Adoua Kouassi de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, lui, obtient le 4e prix quand le 5e a été attribué à l'ouvrage d'apprentissage de la langue Tagbana, Kiyo Bazanu, signifiant « dis-le en langue » de l'auteur Mikan Koulibaly. À ces 5 lauréats s'ajoute le prix d'honneur accordé à l'Institut de linguistique appliquée de l'Université de Cocody. Selon le professeur Bakary Thio Touré, le jury estime que ce dossier de candidature qui relève d'une institution pionnière dans le domaine devrait être classé hors concours. Une enveloppe de 5 millions a donc accompagné ce prix d'honneur. Le président de l'ASCAD, le professeur Barthélémy Kouki, félicite et encourage les lauréats à poursuivre leurs efforts de promotion des langues nationales. Au nom des bénéficiaires, Lorugno Drey remercie l'ASCAD pour cette marque de distinction. Pour rappel, les 2 précédentes éditions du concours ASCAD ont porté sur des thèmes liés à l'environnement. Dans la page santé, un service du CHU de Yopougon fait son bilan. Il s'agit du centre de traitement ambulatoire pédiatrique, inauguré le 19 octobre 2012 par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce centre est spécialisé dans la prise en charge des enfants malades du VIH-Sida. Doigt de laser. Ce garçon de 10 ans fait partie de plusieurs enfants qui reçoivent des soins au centre de traitement ambulatoire pédiatrique du CHU, centre hospitalier universitaire de Yopougon. Par jour, plus de 400 patients âgés de 0 à 10 ans visitent le centre pour des consultations et le dépistage du VIH-Sida. En plus de la consultation, nous faisons également le bilan de suivi des patients que nous recevons. Donc pour les jours ordinaires, on va osciller autour de 20-25 malades. Et en période d'influence, on peut aller jusqu'à 60 malades par jour. Déjà, 995 enfants infectés du VIH positif, dont 528 adolescents sont pris en charge et 679 enfants malades de malnutrition ont reçu des soins. Des chiffres jugés satisfaisants selon la directrice du centre. Le problème qui se pose à nous, c'est la prise en charge des adolescents. C'est une tranche d'âge pour laquelle il faut des actions particulières. Et c'est pour cela que nous avons fait une requête pour un projet d'extension. L'initiative est saluée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Sur 35 000 enfants qui sont éligibles au traitement, nous avons 5 579 enfants en fin septembre 2013 qui ont le traitement. Cela veut dire qu'il y a un gap que nous devons combler absolument. Nous pensons donc que le travail qui a été fait ici pourra faire boule de neige. Le centre de traitement ambulatoire pédiatrique dispose de 3 sous-unités médicales, à savoir l'unité de prise en charge médicale des enfants affectés ou infectés du VIH-Sida, l'unité de prise en charge nutritionnelle et enfin l'unité de prise en charge psychosociale. Parlons agriculture à présent.
Le gouvernement ivoirien veut améliorer le niveau de transformation de la NARCAD qui était de 5% en 2013 en le portant à 35% en 2015 et 100% en 2020. Et pour atteindre cet objectif, un atelier a récemment ouvert ses portes pour plancher sur la question. Noël Nyanyou. Le cajou, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, le gouvernement projette de passer du niveau de transformation marginal 5% à 35% en 2015, puis 100% en 2020. Comment s'y prendre? Voilà l'équation à résoudre à travers l'atelier d'échange sur le financement de la transformation de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Première marche à franchir, la connaissance de la filière. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique de facilitation de la connaissance de la filière et plus particulièrement du secteur de la transformation par les professionnels des secteurs bancaires et financiers, car il permettra à tous, secteur public, opérateurs économiques, institutions bancaires et financières, de mieux comprendre la chaîne de valeur de la filière ANACAD et donc mieux apprécier les risques qui y sont rattachés. Une journée a été consacrée à cet exercice à travers deux panels animés par des pouvoirs publics et les partenaires au développement. Les participants ont eu ainsi l'opportunité d'échanger avec les panélistes et faire des suggestions pour réussir le pari de la transformation du cajou. Après l'agriculture, un mot de religion. L'église messianique de Côte d'Ivoire célèbre ses 50 ans d'existence. Les festivités marquant ce cinquantenaire sont l'occasion pour les fidèles de cette église de prier pour la Côte d'Ivoire afin que Dieu comble le pays de ses bienfaits. Hugues Hervé Blé. Une procession dans les rues de Kumasi Ramblay a précédé le culte d'action de grâce dans cette commune. Sous la conduite du président et du chef suprême de l'église messianique de Côte d'Ivoire, Son Éminence Akmel Alasma Etienne, les fidèles se sont retrouvés pour un rassemblement marqué par des chants et des prières. À la faveur de la tournée de sensibilisation et d'évangélisation relative au cinquantenaire de leur église, les fidèles de la paroisse de Kumasi Ramblay ont loué et rendu gloire à Dieu pour tous les bienfaits dont il comble la Côte d'Ivoire. Ils ont prié Dieu Tout-Puissant et Josué, l'Esprit Consolateur, afin qu'ils détruisent toutes les forteresses de la division et celle du mal qui bloque la bénédiction du peuple de Dieu et des Ivoiriens notamment. La Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée entre ses fils. C'est la raison pour laquelle nous, messianiques de Côte d'Ivoire, nous prônons la réconciliation. L'église messianique est née de la révélation faite en 1964 à Josué, l'Esprit Consolateur. Cette communauté chrétienne à cinquantenaire aujourd'hui revendique 100 000 fidèles en Côte d'Ivoire. Et l'actualité, en bref, sur le continent, nous conduit dans un premier temps en Égypte, où le procès du président destitué, Mohamed Morsi, qui s'est ouvert samedi au Caire, a été reporté à mardi. L'ancien dirigeant égyptien encourt la peine de mort comme 14 de ses co-accusés. Il s'agit notamment d'anciens hauts responsables de son gouvernement, d'anciens collaborateurs et des leaders des Frères musulmans. En Égypte, le procès de Mohamed Morsi reporté à mardi. L'ancien président est poursuivi pour la mort de manifestants alors qu'il était au pouvoir. Il encourt la peine de mort avec 14 co-accusés, également de la confrérie des frères musulmans, aujourd'hui interdite. Des manifestants s'en sont pris au véhicule qui transportait les avocats, les accusant de trahison envers leur pays. Mohamed Morsi a été déposé en juillet dernier par l'armée à la suite d'importantes manifestations. Crise politique au Burundi. Le premier vice-président a été destitué samedi par le chef de l'État. Bernard Boussokoza est sanctionné pour s'être opposé à une décision du ministre de l'Intérieur. Ce dernier avait fait nommer un nouveau leader dans le principal parti Tutsi de l'opposition. Une ingérence inadmissible pour Bernard Boussokoza, lui-même membre de ce parti, l'UPRONA. Bernard Boussokoza s'oppose par ailleurs à une nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza à la présidence en 2015. Au Kenya, un tribunal soutient la CPI. Le processus d'extradition qui visait un ancien journaliste a été reconnu valide. La Cour pénale internationale réclame Walter Barasa pour qu'il s'explique sur son rôle dans le procès du vice-président kényan William Ruto. L'ancien journaliste aurait soudoyé des témoins de l'accusation. La CPI a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'elle estime être des tentatives d'intimidation dans les procès pour crimes contre l'humanité du président et du vice-président kényan.
Et dans le Proche-Orient, une usine basée en Cisjordanie crée la polémique. Scarlett Johansson, l'actrice américaine, vante les mérites d'une machine à eau qui fait des bulles. Derrière la publicité glamour, une production qui fait des vagues. L'usine israélienne SodaStream se trouve dans les territoires palestiniens, une zone industrielle qui fait partie de Male Adumin, la plus grande colonie de Cisjordanie. Ici, les employés sont israéliens et palestiniens. Nous sommes en contact avec les employés israéliens. Nous leur montrons qui nous sommes, ce qu'ils ne savaient pas de nous. Ils pensaient peut-être que nous étions des terroristes, des gens à problème. Alors que l'usine israélienne tourne à plein régime, des voix s'élèvent pour dénoncer une activité qui cautionne l'occupation et qui fait fi des droits des Palestiniens. Cette usine est un rêve pour les activistes et les politiques des deux parties du conflit, parce que cette usine est un modèle pour la paix. SodaStream montre tous les jours à quoi ressemble la paix et prouve qu'il peut et qu'il y aura la paix entre nos peuples. Un modèle de paix, oui, mais, répondent les responsables palestiniens. Cette usine est installée dans des terres prises par la force. S'ils veulent établir des ponts pour la paix, pourquoi ne pas installer cette usine en Israël et embaucher des Palestiniens ou d'autres? Plus de 50 000 Palestiniens travaillent dans des usines israéliennes situées dans une zone industrielle en Cisjordanie. C'est seulement la première fois qu'il s'agit d'une entreprise à renommée internationale. Faisons un tour de l'actualité dans le monde avec comme point de départ l'Ukraine où la crise se poursuit. Plus de 50 000 manifestants aujourd'hui, place de l'indépendance à Kiev. Un nouveau souffle pour l'opposition ukrainienne qui vient d'obtenir un soutien franc et clair des Occidentaux. Les opposants dénoncent depuis plus de 2 mois la volte-face du président qui a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne et s'est rapproché de la Russie. Au Liban, un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda revendique l'attentat à la voiture piégée contre un fief du Hezbollah à Hermel, dans l'Est. L'attaque suicide a eu lieu dans une station-service et a fait au moins 4 morts et 15 blessés. C'est la quatrième du genre en un mois contre le Hezbollah, engagé dans la guerre en Syrie, aux côtés du régime de Bachar el-Assad. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid contre le projet de loi visant à restreindre le droit à l'avortement. Un droit adopté depuis 2010. C'est le plus grand rassemblement du genre à ce jour. Le gouvernement conservateur prévoit de limiter l'avortement au cas de viol ou de danger grave pour la santé de la mère. Scène apocalyptique sur l'île de Sumatra en Indonésie après le réveil brutal du volcan Sinabung. L'éruption a éjecté de la roche et de la cendre chaude jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Le premier bilan fait état de 14 morts. En raison de la forte teneur en gaz mortel et de la chaleur du nuage, les recherches ont dû être interrompues. On termine avec du sport. La Libye a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Elle a battu le Ghana par tir au but. Retour sur cette victoire dans ce reportage. Un écran tout au fond de la place, c'est ce qui déclenche cette vague de joie. La Libye vient de remporter le championnat d'Afrique des Nations en football. Une victoire sans action marquante puisque le score contre le Ghana est de 4 tirs au but à 3. Ce tournoi né en 2009 est réservé aux footballeurs évoluant en Afrique. Les deux premières éditions avaient été remportées par la République démocratique du Congo et la Tunisie. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme sur RTI1.